Les amis, c'est Marjo, Marjo Diamant Painting, et ses petits achats en tout genre. Petit souci. Ce matin, en me réveillant, vous avez vu la tête? Oh là là, un vrai zombie. Mon Dieu, quelle catastrophe. Comment je vais faire pour aller au boulot comme ça, moi? C'est pas possible, c'est pas possible. Allez, un petit peu d'humour, les amis, pour Halloween. Voilà. Je baisse pour vous montrer. Et j'enlève, bien sûr, ma tête. Hop là. Hop. Je vais vous présenter la toile que j'ai faite pour le défi automnal Halloween, dans lequel j'avais décidé de participer avec Hélène, de la chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'informations. Donc, on devait numéroter notre chaîne et j'avais fait des petits... C'est toute petite vidéo en tout début quand j'avais commencé. Et vous voyez les 31 cases ont été faites. C'est donc avec la compagnie Outdoor Tide, si je ne me trompe pas. Un partenaire qui m'avait contacté le 29 août. J'avais fait l'unboxing. Cette toile, si vous la voulez, elle est au prix de 5,97$ sur ce site. Je vous remettrai aussi le site en barre d'informations et le lien de la toile si elle y est toujours. C'est une 30 par 40. J'ai enlevé le masque parce que franchement, il fait trop chaud là-dedans, quoi. Voilà. Donc, contente d'avoir pu terminer cette toile à temps. Vous voyez, hein, ça brille. Vous voyez, hein, comme ça brille bien. C'est les deux petits gnomes. Voilà, deux gnomes avec la citrouille d'Halloween, la marmite, la potion. Bon, pour moi, vous la voyez, c'est potable. Hein, mais moi, elle est très pixelisée. Donc, si vous la voulez, essayez de la prendre plus grande, vous verrez mieux les détails, notamment sur le livre, le manuscrit que tient ce petit gnome, voilà, sorcier peut-être, et ici au niveau de la marmite, de la, voilà, la tête de mort, elle est très 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 pixelisée pour moi, voilà. Les chauves-souris, on voit quand même que ce sont des chauves-souris. Les chapeaux sont très bien faits. Les gnomes sont bien faits aussi. Il n'y a qu'au niveau des mains où ça fait un peu pixelisé. Pardon, vous voyez. La citrouille, ça va. On a quelque chose d'assez potable. C'est bien sûr une fausse 30 par 40. On a des bords assez larges, vous voyez. Mais je suis contente quand même du résultat. Je suis contente d'avoir participé au défi d'Hélène. Je crois que je suis la, tout le monde, enfin, celles qui ont participé ont choisi surtout sur le thème automnal. Je crois que je suis la seule à avoir envoyé ma photo Halloween, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est magnifique. En tout cas, je tenais à remercier donc Hélène encore, et je remercie la compagnie Outdoor Tide pour cette magnifique toile. J'ai passé un bon moment dessus. Des déchets, je ne peux pas trop vous montrer, mais je peux vous montrer que dans des sachets, il reste énormément. C'est de l'acrylique, c'est des diamants ronds. Il me reste de toutes les couleurs et un grand nombre. Voilà. Vous voyez,
Bon, je suis désolée pour celles qui auront eu un peu peur par rapport au masque, etc. C'est du faux, c'est pas du vrai. Voilà, pour vous rassurer, je vais vous montrer que ben, j'ai récupéré ma tête. Une petite coupure vidéo, c'est en voulant manier la vidéo, ça s'est coupé. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré ma tête. Tout va bien. Voilà, mais écoutez les amis, je vous souhaite, pour ceux qui le fêtent, un bon Halloween. Nous, on n'a pas préparé un décor spécial, on n'a pas préparé, on n'a rien préparé, quoi que ce soit. Hein. C'était là juste pour le fun, pour avoir quelque chose d'assez... d'assez sympathique et concordant, concomitant avec l'événement, quoi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis. Et je vous dis bien sûr à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la toile en commentaire. Si elle pourrait correspondre à quelque chose que vous choisirez une prochaine fois, que vous pourriez commander ce genre de toile-là, voilà. Est-ce que... oui, voilà. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ma chaîne vous plaît. Ça augmente petit à petit. Je suis très très contente. Je vous fais de gros bisous, les amis. Et à très bientôt, bien sûr. Et mille excuses si le début ne vous a pas plu. Je m'excuse, mais voilà, c'était un petit plus pour ma vidéo. Voilà. Gros bisous, les amis. Ciao, ciao.